3, 4, 5, 6, 7. Chasser. Soit frapper avec celle-ci. C'est dans ce moment-là qu'il faut agir. Vous devez employer toute votre force. C'est juste le centre. Là, vous n'allez pas dans les bras. Mais aussi, je veux dire par là, c'est aussi votre sang. Contrôlez le coude. Il est obligé de créer un espace pour pouvoir. Donc, non, pas que ça augmente pas sur l'avant-bras, auquel cas il n'y a aucune saisie, vous perdez le sang. Là, vous voyez ? Là, voilà ce qui va se passer. Si vous contrôlez le coude, il n'utilise pas son bras. Vas-y, tac. Voilà. Ici, fait, voilà, c'est cela. Ici. Là, avec tes deux bras, t'as deux bras. Le but, c'est de savoir lequel des deux et où il va. Là, là j'ai bloqué. J'étais perdu. C'est pas pour jouer à Wong Feong. C'est des exos classiques. Tu fais ça, ok, qu'est-ce qu'il va me faire? Ok, je reviens là. Je reviens. Je reprends le contrôle. Là, c'est croche de barre. C'est menaçant, je peux. Pourquoi les boxeurs à votre avis ils sont toujours sûrs? Voilà. Boum. Ouais, pourquoi? Pour être au plus bel et plus vif. Mais est-ce que vous avez déjà vu un boxeur comme ça? Hein? Sur les talons. Hein? Vous avez déjà vu? Moi jamais. Je vous expliquer, dans le pied, il y a la partie statique et dynamique du pied. Et si vous êtes sur le talon, il n'y a pas de partie dynamique du pied. Donc vous ne pouvez pas vous déplacer dans l'espace. Simplement, il y a automatiquement une chute de poids de corps pour réceptionner, pour prendre appui, pour pouvoir commencer à sortir. Pour pouvoir commencer à sortir. Et lui, il fait quoi? Il attend. Il attend. Donc, quand vous faites un exo, même celui-là, je me déplace sur la, en grossissant sur la plante. Mais si je vois quelque chose, un coup de pied, n'importe quoi, il faut que je puisse sortir pour pouvoir toujours utiliser tous mes appuis. Pas sur les talons. Non, donne que. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là. Rien. Soit dans le mouvement. Là. Soit